Nous voilà sur Evolve et c'est la toute première game que je réussis à faire sur l'alpha. Enfin, c'est la deuxième, mais j'ai pas pu stream la première. Donc là, je vais jouer le Goliath et on va voir ce que ça donne en direct. Juste autant que la partie charge. Il faut dire qu'en ce moment, il y a quelques problèmes sur le matchmaking. Le matchmaking se lance, mais les parties ne se lancent pas. Donc ça nous fait quitter automatiquement les games et on doit recommencer un certain nombre de fois avant que les parties puissent se lancer une bonne fois pour toutes. Là, on commence en tant que Goliath. Les chasseurs nous ont repérés, on avance. Et le but, c'est. On a quelques secondes pour s'échapper avant que les chasseurs n'arrivent. A savoir que je ne connais absolument pas la carte. Je vais essayer vite fait de me feed un peu comme ça. Jamais quand est-ce que les chasseurs arrivent pas, personnellement. Je pense que je vais continuer d'avancer tranquillement. Oula, là j'ai vu un chasseur par là-bas, donc on va essayer de me barrer du PVP. Petite charge. Voilà, donc là on a passé la rivière, ça va forcément les avancer un peu. Parce que eux, pour passer, soit ils vont pas pouvoir passer comme moi en tout temps, enfin ils peuvent, mais c'est pas évident non plus. Alors apparemment il y a plusieurs maps quand même, parce que celle que j'ai vu sur le J'espère pouvoir passer mes niveaux, c'est pas évident que. Franchement, au niveau 1, on prend très très cher, on peut juste défoncer la gueule. Surtout que je joue un peu comme une boule, donc forcément ça aide pas. Ça serait cool que si je pouvais ne jamais les voir avant que je passe niveau 6, avant que je passe niveau 6, c'est heures, ça serait l'idéal. Alors là, j'ai vu qu'il y a un bronze dans l'eau, j'ai évité d'aller le fouetter parce que j'ai pas très envie d'aller mourir quand même, c'est pas très fun. D'évoluer vite fait, non, on va plus tard. Ou après, là, je vais passer par là pour passer entre les deux groupes d'oiseaux pour pas me faire repérer. Du coup, on passe à côté des groupes d'oiseaux, les chasseurs pour repérer très très vite. Vous voyez là-bas, il y a un. J'arrête pas d'évoluer maintenant, là, c'est une grosse erreur. Voilà, de 1, je vais vite essayer de me barrer. Là, j'ai fait beaucoup de dégâts, c'est absolument rien par contre. C'est une très grosse erreur. J'aurais jamais pu essayer de me métamorphoser dans ces conditions. Je vais essayer de me barrer très vite là, parce que j'ai aucune. Vous voyez, quand j'ai évolué, j'ai un seul point d'armure. Avec de la chance. Avec de la chance, voilà, le gros monstre ici va ralentir les chasseurs qui vont suivre. Je vais pouvoir gagner un peu d'armure très bien fait. Vous voyez, ils sont en train de le fight, ils sont plus ou moins obligés de passer par là. Pour cela, je vais me feed un peu. Je vais pas hésiter, vous voyez, j'utilise mes capacités pour me barrer. Enfin, dans la mesure du possible. Le problème c'est que le tracker il fait que de me mettre des tracks dessus et tout à l'heure il me voit. Donc absolument je résiste à m'éloigner avant qu'il me colle l'arène. Parce que là je risque de galérer à mort si il me met l'arène 4 ou ça va être vraiment difficile. Vous voyez, j'avance tranquillement, sans trop souvent faire mon truc, parce que pour l'instant j'en ai jamais du tien en fait. Hein. Et surtout qu'il est tout seul en fait, depuis que ceux qui sont même pas paquets, c'est possible. Là il m'a fait un tas de trucs. Alors c'est peut-être pas le chasseur que je pense qu'il s'est tué avec la reine, mais c'est peut-être l'autre.
connais pas encore très bien tes habiletés. La neige, vraiment, je trouve ça, surtout que ce jeu il est vraiment magnifique. La neige et tout ça, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment beau. La même personne que j'ai fait tout à l'heure pour mettre le dos sur le monde pour essayer de m'échapper, je traverse la rivière, il y a un gros monstre dans la rivière, je pense qu'on ne peut pas y arriver facilement. Mais... Ah, j'ai peut-être pas trop abusé sur le nombre de monstres que j'ai buté, mais c'est pas grave. Oh putain, je pense ici, c'est ça. Qu'est-ce que ça pour me barrer? Alors je crois que je me trompe. Ah là, si c'est bien, ça, ça va prendre un peu. Ah, là, ça va être très très cher. Là, j'essaie de couper lui, je sais pas qui peut couper. Ah bah c'est le médic en plus, j'ai assez à choper le médic de fort à tort. Oui, je prends vraiment cher. Faut vraiment que j'essaye de miser les dégâts jusqu'à ce que l'arène soit finie. Ah, j'ai réussi à monter le niveau. L'arène elle a terminé, je vais pouvoir me barrer. Vous voyez, j'ai pas pris un seul point de dégâts, il n'y a que l'armure qui a réussi à manger. Du coup, je peux me barrer tranquillement. Cette opération a... Ah, on m'a choqué avec le temps d'un coup. Vu que j'évolue au niveau 3, ça va tout changer. Ah, il y a Daisy qui m'a retrouvé, mais c'est pas très long donc, au niveau 3, je pense qu'il y a moyen que j'y arrive. Allez, 6 secondes, en 6 secondes, ils ne vont jamais me tomber. De toute façon, j'avais plus d'armure, donc je pense que j'ai fait un bon choix. Enfin, je pense, j'espère en tout cas. Par contre, je sais pas du tout s'il y a une sortie par là. J'attaque le point relais en fait, si on met le point, on va attaquer le point relais et si jamais on réussit pas à détruire, on a gagné la partie tranquillement. J'aurais pas dû attaquer si tôt, j'aurais pu essayer de le barrer un peu plus. Je galère un peu à avancer encore, hein. C'est dommage, ça peut vraiment être sympa. Je pense que là je vais essayer de le barrer, je vais pas chercher plus loin, je vais enlever un peu le relais. Là, je vais essayer de récupérer de l'armure dans la forêt parce que là il y a ma vie qui prend directement et c'est pas tellement très cool. Ils m'ont déjà perdu de vue, là je vais aller mettre full armure et j'ai allé les affronter après. Là je pense que j'aurais été eux, j'aurais essayé de me rush la gueule. J'avais aucun point d'armure, c'était l'arme balle, vous voyez, encore. Ah je me trompe à chaque fois entre le 2, entre cette attaque là. Ah putain, là ça craint un peu. Vraiment très cher. En fait, j'ai du mal à voir qui est le gros support, qui est le support. Là, j'ai réussi à en mettre un à terre. Il faut vraiment que je les empêche d'aller ressusciter leurs potes. Ils ont quand même deux dégâts au moins. Alors, c'est pas Ah vous voyez, j'ai mis 3 terres, c'est trop cool. Oh, j'ai réussi à tous les buter, ouais, donc, première partie j'ai fait, enfin deuxième, non, première partie j'ai fait avec le big boss, j'ai réussi. On voit quand même que au stade 3, le monstre qui fait vraiment très très mal, et s'il n'y a pas une bonne coopération en face, c'est vraiment très difficile de réussir à le battre. Il fait vraiment beaucoup de dégâts, et si en face, on peut les déconcer en 2-3 coups. Il faut que les chasseurs ils réussissent à bien gérer avec leur jetpack pour effacer, pour éviter mes grosses attaques afin de rester surtout hors de portée et essayer de me caractériser un maximum.
Mais c'est pas très simple parce que j'ai quand même deux techniques de mobilité et je vais arriver très vite sur eux et les OS. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à une prochaine fois.